Et salut, c'est Foudrage. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Mad Max. Alors, la Oh, dernière fois, thank nous you for me. avons pu débloquer Tea? donc la Yes, we quête need something principale, donc on va stronger. la faire Yes, tout de but suite. I doubt anyone would give their talon up without a Si je me fight. rappelle I need bien, it, je I'll c'est go par get it. là. What happens, happens. Ah bah, on a. You, over here, please On a help encore me. quelque chose là-bas. Ah bah, c'est. Bon, déjà, on va faire la quête principale en haut. Normalement, c'est le chef du coin. Ici, normalement, non? Jeet, the little pissant has got someone cooking powder for him. We asked to trade for some, but Ah apparently non non non, on it's a déjà la quête. Trouver le short convoi de supply. Dimrim. Donc on l'a déjà. Je Now you m'avais, head j'avais over zappé. here. Help me, On Selina. pourrait peut-être prendre sa quête aussi, mais ce qu'on va faire en premier, c'est la quête principale. Je voudrais la faire parce qu'on n'a pas avancé beaucoup. C'est quoi ça? Elle est. Ouais, d'accord. Il nous faut des trucs qu'on n'a pas. Bon, déjà, on va faire sa quête. Donc, trouver le convoi de Dimrim. Ça va être sûrement dur parce qu'il faudra sûrement le faire. Donc, déjà, on va regarder la map. Le convoi du machin se trouve ici. Donc, c'est parti. Hop. Et en avant. Alors, on va essayer d'un petit peu avancer quand même sans pour autant à chaque fois nettoyer les zones, parce que ça prend quand même énormément de temps et c'est à chaque fois la même chose, donc j'ai l'impression que c'est à chaque fois la même chose, donc ça peut être barbant pour vous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'avancer un peu dans la campagne, parce que je pense que la campagne est beaucoup plus importante. De toute façon, quand on aura des missions qui seront bloquées, il faudra sûrement nettoyer de temps en temps le territoire, donc voilà, on nettoiera quand ils le demanderont, et puis c'est tout. On va faire comme ça, je pense que ça va être déjà pas mal. Côté carburant, on est bon, la vie, ça c'est bon, ouais. Tout est ok, et le convoi se trouve dans les coins ici. Alors. Ça pourrait être intéressant de trouver le convoi en. Ok. Le truc, c'est de les trouver. Ça va pas être facile. Et faut qu'on arrive aussi à les stopper. Donc ça va peut-être plus intéressant. Là, il y a un truc là-bas. On va refaire demi-tour. Si on trouve le convoi, on va sûrement devoir le stopper. Donc il faudrait quand même que je trouve un moyen de les stopper. Et ça va être, je pense, assez difficile. À la rigueur, si je peux les voir de loin. So, Saint, where are we headed? South. Jade marked the battle sites. Where can we find Sulfur? Oh, the yelly smelly? Bon, on a un truc ici, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le fait tomber? En attendant ou Ouais. Bon, d'ailleurs ici ça peut être intéressant. On les voit venir de loin. Donc on pourrait peut-être faire une petite piège ou je sais pas. On verra. Je me dépêche parce que si jamais ils viennent à ce moment-là et que je suis pas dans la voiture, je vais perdre. Donc ici, ça peut être intéressant de les arrêter parce qu'on les voit venir. S'ils viennent de ce côté, on a sûrement le temps de les tirer sur les pneus avec le sniper si j'arrive. Ça, c'est pas gagné encore. Mais ça pourrait être intéressant. Donc là, je regarde pour de la fumée, mais j'ai pas l'impression. Ah! Non, c'est pas un convoi. J'aurais bien voulu avoir un convoi, mais non.
load up. Vas-y, répare. Hop. Do your thing. On va récupérer du métal parce qu'on en a pas beaucoup non plus. I will nurse her back to health. Je vais avancer. Oh, here it comes, the mighty duster. J'espère que j'aurai le temps. Je crois qu'il y a une tempête qui arrive, non? J'ai l'impression qu'une tempête arrive. Il faudrait qu'on voit pour un coin où on peut se protéger. Eh, des mini tornades aussi. The gods are in our favor. The magnum opus. Ah déjà j'ai déjà plus de vie là. Donc ça c'est pas cool franchement. Est-ce que j'ai assez de munitions là? Merde. Les pneus je peux pas. Non. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Il est où le véhicule qu'il nous faut absolument? Là, on l'a stoppé, c'est pas mal. Et on doit sortir du véhicule. Voilà. Bon, là, ça va être assez chaud pour les avoir. Il m'a touché. Vas-y. Munitions, non. Oui. J'ai eu des munitions, ça va être cool. Bon, je vais pouvoir un peu nettoyer la zone. Vas-y, ma vie, ma vie. C'est bon, j'ai salté à coup. Faut que je nettoie un petit peu comme ça. Vas-y, lève-toi. Là. Ah, c'est bon, il se lève. Bon, on a pu faire le... J'étais pas sûr, hein, franchement. Bon, c'est plutôt bien sorti. La voiture a pris cher quand même. Hein. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois le détruire? Déjà, on va récupérer le matos là-bas. On a trouvé le convoi. Est-ce que par hasard, si je fais... si je le prends, non, je peux pas le prendre. Donc, je pense qu'il faut que je le détruis. Waouh. Ok. On va plutôt le défoncer parce que j'ai plus de munitions. Ok, c'est parti. Encore un petit coup et puis ça va être ok. Lorsqu'un chef de convoi est vaincu, Max peut récupérer son ornement de capot. Ok, hop, on descend. Donc on récupère ceci. Ouh, ça a l'air d'être pas mal. Installé à l'avant, installé à l'arrière. L'arrière, on n'a pas on n'a pas beaucoup de défense si on se fait percuter vers l'arrière, donc ça va être chaud. Je sais pas d'ailleurs, je sais pas du tout si on peut si ça change quelque chose, mais on va l'installer à l'arrière en espérant que ça va nous mettre un peu de défense quoi, parce que le métal on peut remettre un petit peu plus pour un convoi quand même. Hein. Et je crois que c'est bon. Donc je l'ai mis à l'arrière, ça donne quoi? Ouais, ça donne ça. Ouais, je pense pas que c'est de défense, décoration à la rigueur. Bon. On aurait pu le mettre devant pour voir ce que ça donne. Mais bon, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Là, on a nettoyé donc ici. Faudrait qu'on retourne
Voilà, la forteresse, hein, pour voir ce qui va nous donner d'autres comme mission. Je pensais quand même que ça allait être un petit peu plus difficile. Heureusement que le grappin, maintenant, on peut détruire les portes pour pouvoir le stopper. Parce que, bah oui, on peut passer par là aussi. Qu'on puisse arracher le pilote, hein, parce que ça aurait été chaud sinon, hein, on n'aurait pas arrivé aussi facilement. C'est par là. Par contre, j'ai pris cher côté vie quand même. Faudra qu'on boit un peu d'eau pour récupérer un peu de vie quand même. Je croyais qu'il y avait une tempête qui arrivait, mais parce que j'ai cru voir écrit tempête en approche ou en tout du jour. Et en fait, on en a pas eu, donc. Juste un peu de vent en plus. Voilà. Donc c'est parti. Oui, il a une autre quête. Priorité cette fois-ci aux quêtes principales pour cet épisode-là. Jusqu'à que je serai bloqué, je pense. On va continuer à en faire jusqu'à que je serai bloqué. Donc voilà. All around us, the grounds were covered in wet, salty water full of life. My people believe this water will come back to us on our day of reckoning. And then we must be ready. We must patch our ship together and make her whole once more. You believe that? They need to cling to it. Personally, I see an acute necessity to armor this wreck up, prepping for the wave of man scum which will soon come crashing down. A war boy army, Lord Scrotus, back from the dead. Help me get the steel I need. Not the brown rotted sheets of wafer you find out here, but real prime steel. With it, I can reward you in armor or scrap, and find plenty extra to fix up my hull. Ok, donc a besoin d'acier du premier choix pour colmater sa forteresse. Il pense qu'on peut en trouver dans les tunnels de l'Est. Débloquer le châssis de combat. On va voir pour le châssis de combat, mais bon, je suis sûr que j'ai pas assez de fer. Donc on va quand même faire un tour pour voir... Pour mieux qu'il nous en fout. Donc. Échappe garage. Le moteur d'ailleurs, faudra qu'on voit pour le changer aussi. Les pointes anti-abordage. Je crois que c'était le blindage. Non. C'était pas le blindage. Le nouveau moteur, ouais, donc c'est même pas la peine, quoi. On a 88, donc c'est pas la peine, on oublie. Tout doudoudou, c'est quoi ça? Course, ok, course à la mort. J'avais déjà regardé la dernière fois, je crois. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Ça, c'est pour... Partager la ferraille, ouais. Pas pour l'instant. Ça, on avait plus ou moins objectif d'émission. Ah, ça, j'aurais pu le faire. D'accord. Trouver marqué, ouais. Rentre de putain, ouais, derrière, ouais. Bon,
volcanique. Là-bas, on n'a pas encore été. D'ailleurs, je sais même pas si on peut y aller. Ouais, là-bas, je ne sais pas si on peut y aller. Ah, on a fini, on aurait peut-être pu aller lui parler des quêtes. Ouais, bon bah tant pis. Moi, ce que je veux trouver, c'est sa quête principale là. De ce côté. On va refaire là-bas parce que je vois que là-bas où il a parlé de mine et tout ça, mais il y a aucun truc où ils me disent où aller. Donc on va retourner là-bas. Ouais. Et puis on verra bien. Donc c'est parti. Ah, là on a un truc à nettoyer, mais ça on le fera pas. Une voiture, hein, les gars. Du matos. Non. Il me faut un peu de métal, donc là faudra qu'on nettoie un petit peu les choses. Voilà, un petit peu de métal. I'm going. Wait here. Faut qu'on remonte un petit peu. Hein. It is my sacred place. C'est parti. Encore une autre, mais non, on va pas s'arrêter à chaque fois non plus. Il va sûrement nous poursuivre. Ah non, j'ai pas l'impression. No, oh, they hit the boom in the ground. Vorta corpse, the unwary. Monkey D can sniff about. Roadkills come advancing. On arrive bientôt au bout, je crois. Donc il y a quand même du chemin à faire. Hein, si on doit à chaque fois faire. He's a wild card, but I dare say your influence has lifted his spirit. What with his constant pain, he'd often hit a wandering pilgrim such as I. Ok, alors normalement les munitions. Ok. Alors. Talon, huh? I hear it's possible to tear down the jaw with this. Oh, that sounds like gut gash, John. But it's possible with a pinch of black magic. What do you know? Oh, you got balls the size of boojums. And you done us some good, granted. So hear me.
You'll need to get your harpoon reinforced to get through that first gate. Easy. But your biggest hurdle are those hinges. That's why it all calls for some black magic. Explosives. Oh, yeah. With the talon, build you an explosive jag tip. Blow those hinges right off. Boom. Let's do it. Ok, donc. Pour le grappin. Le sans pièce de fer, c'est bien ça, ça va bien monter. On va regarder vite fait le garage. Oh, bah, on peut même pas. Assaler le harpon de feu. Non. Ah, fallait que je sois à côté. Ok. Donc, garage. L'harpon. Harpon. Ok. Ok, combien qu'il veut? 0. Bon, ça c'est bien. On l'installe. Hop. Ok, faudrait qu'on voit pour installer un autre moteur. Parce que... Ok, donc maintenant. On quitte. Ici. Pick a target! Fait une arme la plus puissante de l'arsenal. Il permet de détruire les ennemis, les structures et les véhicules, tout en restant à distance. Ah, d'accord. Et je peux pas toujours les utiliser. Donc, la map. Ah, faut qu'on essaie le harpon. Ok. Alors. Oh putain, ouais. Ah, c'est génial. Just practice. No need to get itchy trigger fingers. Useless crazy's making a mess. Get some hurt in my nugget. Fire! Twitter! You may proceed. Vous pouvez continuer, mais nous on continue déjà. Oh, c'est génial. Oh, it's a beauty sight. Such power. Can you feel it? We're ready for the job. Ready as we'll ever be. Nouvelle arme qui est vraiment pas mal. Donc. Bon, on doit aller jusqu'à là-bas. Donc c'est parti. Quelle heure qu'il est? Le temps. À la rigueur, on peut y aller, mais ça va prendre du temps. Non, je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais. On va s'arrêter là. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, mettez un j'aime et abonnez-vous. Allez, à plus.